Bornu, Baptiste, d'abord félicitations parce que le Stade Montois fait ce soir une grosse prestation et superbe entrée en matière dans ce championnat. Ben oui, on savait que recevoir pour le début du championnat, c'est toujours très très délicat. Donc on avait une réelle opportunité. J'avais prévenu un petit peu les joueurs avant le match en leur disant, voilà, cette opportunité, on l'a qu'une fois dans la saison, elle est là. Et à nous de la prendre, de prendre le match. Voilà, donc bon, c'est bien, on l'a fait. Notamment une grosse deuxième mi-temps. Voilà, je suis très fier du comportement de l'équipe. Faire un focus uniquement sur la puissance, ça serait une erreur parce que le Stade Montois livrait une prestation complète, puissante devant, mais aussi dégageant des ballons pour vous qui ne vous êtes pas, notamment en personne, hein, économisé sur la rencontre. Ça a été quand même un match très engagé. Ben, en fait, voilà, on avait un petit peu. On s'était dit qu'on allait essayer de les prendre sur la conquête, sur les mal portés, les mêlées, le jeu très direct, imposer un peu notre jeu physique. Et puis bon, la première mi-temps, on a beaucoup subi. Bon, on a eu la chance d'avoir de gagner le toss et de prendre le vent contre en première mi-temps, ce qui fait que ils ont eu une grosse, grosse débauche d'énergie. Je crois qu'ils ont donné énormément. Et le fait de mener que de 12 à 6 à la mi-temps, eh ben, en deuxième mi-temps, j'ai pas retrouvé la même équipe. Ils étaient beaucoup moins entreprenants. Ils ont plus marqué le pas. Et nous, on est resté un peu sur notre rythme. On a commencé à garder nos ballons. Et on a été un peu plus dangereux, ouais. Alors bon, forcément une première victoire, mais pas d'euphorie parce qu'on voit que cette année, le Pro D2, c'est dantesque. Exactement, exactement. Et voilà, c'est très bien d'avoir gagné ici. On lance bien notre saison, mais le week-end prochain, on a Colomiers, qui pour moi fait figure de réel outsider cette année avec l'équipe qu'ils ont, le jeu qu'ils développent et les recrues qu'ils ont fait. Et c'est l'équipe qui nous a battus facilement chez nous l'an dernier. Donc je pense qu'on l'a tous en tête et voilà, on peut absolument pas se relâcher. On va essayer quand même de profiter un peu ce soir, de rigoler, et puis ça fait du bien de voir des sourires sur tous les visages après 2 mois de préparation intense, de doutes, de blessures, de voilà, tout ce qui fait une pré-saison de rugby. Et valider notre pré-saison par ce résultat ce soir, c'est très bien. Merci Baptiste, et surtout très bonne saison. Merci beaucoup.